là qui viennent réveiller la miséricorde. D'accord? Et qui disent, ok, c'est-à-dire, même si ceux-là, ils ne sont pas que ceux-là, mais la différence, c'est que eux, ce sont tes enfants. Et ils sont comme ils sont. C'est tes enfants, tu les acceptes comme ils sont. Et ce nom vient réveiller les trois forces d'Israël. Quand il y a bar minan, des mauvais décrets dans le peuple d'Israël, qu'est-ce que les hachamim disent? Ils décrètent un jeûne. D'accord? Tzom. Qui veut dire le jeûne? Kol, qui est la voix, c'est dans la tefila. Donc la personne, on rentre dans les synagogues et on prie à Kadosh Baruch Hu. C'est sûr que de l'autre côté, on va prendre les outils et les armes conséquents. Mais aussi de l'autre côté, on va prier. Et maman, c'est quoi l'argent? Ça veut dire on va donner de la tzedaka. Et on voit que ces trois forces ont la même valeur numérique. Pourquoi 136? Parce que ça réveille le nom de ce nom-là, qui réveille la miséricorde. Vous voyez? Donc c'est-à-dire que même le peuple d'Israël, même s'il faut que c'est le peuple d'Israël, tu l'as choisi pour être tes enfants. Alors maintenant, on va voir les valeurs numériques directement. Je vous ai dit que c'était 136. Alors regardez, Tsom, Tsadé, c'est 90, Vav, c'est 6, et même, c'est 40. Donc c'est 136. Kol, qui veut dire la prière, 100 plus 6 plus 30. Et Mammon, 40 plus 40 plus Vav plus Noun, 56 et 40, 40, c'est 136. D'accord? Donc, chez Tshuva, le repentir, Tfila, d'accord? Le Tsom, c'est le jeûne, mais aussi le repentir. Le Rambam midi, celui qui jeûne et qui zappe la télévision, il se met le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Il n'a rien compris à quoi sert le jeûne. Bon, tu peux peut-être pendant une demi-heure regarder comme ça pour te distraire, tellement t'as mal à la tête, mais ce n'est pas pendant le jeûne. Le jeûne, il a pour mission, pas seulement de nous faire jeûner, pas ça sa mission, de nous réveiller pour s'approcher d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Quand on est plus faible, on est moins prétentieux, on est moins. Donc, on s'approche d'Hachem et de Barach. Parce que ça, quand on commence à prendre de l'âge, on commence à voir les choses d'une manière réelle. D'accord? On a les yeux en face des trous. Quand on est jeune, la belle. Sauf si on est dans une yeshiva, il y a encore. Et quand on commence à prendre de l'âge, on commence à prendre de l'assise, un peu plus de plomb dans la tête. On sait que la vie, elle n'est pas éternelle. D'accord? Quand je parle à mes enfants, ils croient que je suis éternel. Éternel? Non, non, tu ne vas pas mourir. Je leur dis, attention, il y a une fin à tout. Non. Donc quand on est jeune, surtout les jeunes de maintenant. Nous, quand on était jeunes, on savait qu'il y avait une fin. Mais maintenant, on s'en est très loin. Donc c'est l'âge qui donne du plomb dans la tête de la personne et qui le fait revenir à la personne. Pourquoi il commence à se réveiller à un certain âge? Parce qu'il est moins fort. Il voit qu'il oublie. Il voit qu'il a plus de difficultés pour marcher. Oh, qu'est-ce qui se passe? Tous ces mots, toutes ces difficultés, c'est de façon à réveiller la personne pour ne pas qu'elle quitte ce monde sans faire la teshuvah. Voyez, au moins de faire la teshuva avant de partir de ce monde. Alors, ça veut dire que le tsom, il a pour mission, d'accord, de nous réveiller à la teshuva, qui est le repentir. Kol, qui est la tefila, de prier. Et maman, qui est la tzedaka, ma'avirim et roa akzera. La Gemara dit, elle enlève tous les mauvais décrets. Roa, c'est mauvais, xera, décret. Pourquoi? Parce qu'il y a malheureusement, des anges qui viennent là-haut, qui ont été construits par des Averotes, et maintenant ils viennent nous attaquer. Donc, nous, notre force, pour pouvoir détruire ces accusateurs, on fait ces trois choses. Et à travers toute l'histoire, Baruch Hashem, nous avons su utiliser ces trois choses. Maintenant, lorsqu'on voit les Rachet Tevot, les Sofet Tevot, Pasokem Sai, ça veut dire ici, d'accord? Voilà. Le Yud et le Ké qui est ici. C'est pas pour rien qu'il y a un Yud au début du Pasuk. Vous savez que ce Pasuk-là, c'est un seul Pasuk. D'accord? C'est le plus long. On va voir qu'il a aussi 49 lettres. Ça ne vous dit rien le 49? Vous vous rappelez? D'accord? Donc ici, le Yud, il commence par un Yud et il termine par un Ré. Donc, Hachamim nous dit, est-ce que le Yud et le Ké, Bézé Hachem Nivra Shte Aolamot, avec le Yud, il a créé les deux mondes, d'accord? Avec le Yud, il a créé le monde spirituel, et avec le Hé, il a créé le monde matériel. On l'avait vu dans les cours précédents. Chez Neymar, comme c'est marqué dans la Torah, qui beya Hachem Tsurolamim. Dans la Torah, c'est marqué, car avec Yah,
avec ces deux lettres, Hachem, Tzur, il a créé Olamim, les mondes. Donc, aussi bien les mondes matériels que les mondes spirituels, il les a créés avec ces deux lettres-là. Contrairement aux deux autres lettres qui viennent après. Le nom de Dieu, il y a quatre lettres. Il y a Yud, il y a le He, ensuite il y a un Vav et ensuite un He. Les deux premières lettres du nom de Dieu n'ont pas été abîmées. Jamais elles ont été abîmées. C'est seulement les deux dernières lettres qui ont été abîmées. Alors, c'est pour cela, d'accord, c'est pour cela qu'on dit, mais il y a... excusez-moi, j'ai devancé. Donc c'est pour cela que le pasouk du milieu insinue le monde spirituel et le monde matériel. Donc lorsqu'on va le lire, on va protéger notre olam à Emet et on protège leur olam à Zé. Tout ce que Dieu nous donne, qui nous dit que demain on le retrouvera. Barminan, il y a quelqu'un qui devait venir en Eretz Israël, du Canada. Il a eu un accident avant-hier, boum, la voiture complètement en l'air. Lui, il n'a plus le droit de sortir, il est en surveillance. Son cœur, il a presque lâché. Regardez, la voiture, il l'avait, maintenant il ne l'a plus. D'accord ? La santé, il l'avait, maintenant il ne l'a plus. En fraction de seconde. Si on se dit ça constamment, hein, on est reconnaissant envers HaKadosh Baruch Hu qu'on peut se lever chaque jour. Et aussi, en lisant ce mizmor, et qu'on lit le Sela, ça veut dire le dernier Lehi, on pense, ce que tu m'as donné, garde-le. Tu m'as donné une maison, qui n'est pas des bandits qui rentrent à l'intérieur, des fous, qui me prennent tout. La voiture que j'ai, protège-la, etc. Tout ce que j'ai, mes enfants, protège-les aussi. Ce n'est pas parce que nous avons que c'est un dû. D'accord ? C'est comme ça. Donc, ce nom-là, le Yud et le Ké, sont là pour protéger ce que Dieu nous a déjà donné. Maintenant, nos hachamim nous disent « Me'al amenorah » sur la menorah, en haut de la menorah, d'accord, tout en haut, il y a un pasouk qui est ça veut dire que toi, tu es la source de la vie, et c'est avec ta lumière, d'accord, ta lumière, que nous verrons la lumière, ta lumière à toi. C'est avec ça qu'on peut voir sur terre ou bien dans notre vie, d'avoir des solutions à nos problèmes. Et ce pasouk-là, Tov l'omar pasouk-zé, l'ifne shomrim et amizmor. C'est bien de dire ce mizmor avant de dire la menatseah. Donc ceux qui ont commandé chez le sofer de Mordechai, je ne suis pas impliqué, mais c'est des belles, la menatseah, elles sont très belles. Alors, en haut, d'accord, c'est bien d'ajouter ce pasouk. D'accord, qui est mecham et korahayim. Or, on va voir pourquoi. Parce que dans ce pasouk, il y a sept mots. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Par rapport aux sept branches. D'accord ? Et le verset du milieu tombe exactement dans le mot de Haïm. Chez Shabbat, sache que ce nom-là qui est au milieu, qui va tomber au milieu, c'est correspond au jour du Shabbat. Ça veut dire que chaque branche de la Natseah représente un jour de la semaine. La branche du milieu, qui est la branche la plus longue, représente le jour le plus important de la semaine, qui est le jour du Shabbat. Maintenant, regardez quand on a le lame d'Ansea. En haut, nous avons qui ? Imcha Mekor Hayim. Ça tombe juste au milieu, qui est Shabbat. Be'oracha Nireor. Et chaque branche, nous allons voir maintenant, correspond à un jour particulier de la semaine. Le Ben Ish Hai, alav shalom Rabbi Yosef Haim, dans la Shana Rishona, dans la première année, dans la paracha de Vayigash, la quatrième halakha, Vechen Besifro Od Yosef Hai, dans son livre qui s'appelle aussi Od Yosef Hai, dans la paracha de Vayigash, Od Gimel, le Gaon Rabbi Yosef Haim, Besifro Od Yosef Hai, voilà, il nous dit ainsi. Vous savez que le Ben Ish Hai peut être un très très grand kabbaliste. Et lui nous fait découvrir aussi des remazim, ça veut dire des insinuations qu'il y a à l'intérieur de l'Olam Natsea. On va étudier certains shemot d'Akadosh Baruch Hu qui aident dans la Parnassa. Il y a un shem Kadosh. C'est le paille. C'est quoi le paille? Sarah. Non, non, faut pas dire le nom. Faut pas, surtout pas dire les schémas. Non, il a dit Païs, l'autre Païs. Ah, d'accord.
Ah d'accord, si on passe à autre chose, c'est ça. C'est très très important, je ne prononçais jamais. C'est chez moi. Aleph, Yud. Le prononcer, surtout ne le prononcez jamais. On a expliqué que dans notre monde, où il n'y a plus le Beth Amikdash, où il n'y a plus la permission de dire les Shemot HaKodesh, car ce monde-là, maintenant, il est souillé. On a expliqué donc, dans le cours de la semaine dernière ou la semaine d'avant. Donc, aucun nom n'a le droit d'être sorti de notre bouche. Parce qu'on crée des choses kadosh, mais dans un monde tamé. C'est pour ça que je vous avais dit que le nom de Dieu, Yud-Ké, Vav-Ké, on ne le prononce pas comme il est écrit. Sinon, on dirait Yéhéro, etc. On dit Ado, qui n'a aucun rapport. D'accord ? Un rapport, c'est sûr, mais pas un rapport direct avec ce qui est écrit. Pourquoi ? Parce que notre monde est inférieur par rapport au Shemot que nous prononçons. Pareil avec le Shem Kadosh Peala. Ce nom-là, on le dit où ? Dans le Birkat. Dans une tfila qu'on dit trois fois par jour. Pour ceux qui font Shahlit. Minha. Shahlit et Minha. Ashre, Hazaku Baru. Dans les Sidour. Dans les Sidour, vous savez ces trois lettres. Vous vous rappelez ? Dans les livres de prière. Quand on dit Poteah et Yadecha, ouvre tes mains. Pas moi qui ouvre mes mains. Même dans le Birkat. On dit dans le Birkat. Dans le Birkat. Il faut penser ce nom-là. Donc, celui qui fait Ashre, la grande Brachot, il dit celui qui récite Ashre trois fois par jour, le matin, l'après-midi, du moins le matin deux fois, et l'après-midi une fois, Muftahlo Shobena Olamaba. On lui garantit qu'il a le droit au monde futur. Et pourquoi la Gemara, elle dit ? Il dit, est-ce que tu me dis parce qu'il y a dans Ashre, il y a toutes les lettres de l'alphabet, sauf le Noun. Parce qu'il y a toutes les lettres de l'alphabet ? Alors la Gemara, elle dit, t'as que prendre Ashre Timemem Darer, qui est le psaume de Tehilim, Kouf Yutet 119, et là-bas tu as 7 fois, 8 fois Aleph, 8 fois Bet, 8 fois, etc. Donc chaque lettre, elle glorifie Dieu à puissance 8. Alors il dit non, c'est pas seulement la seule raison. Dans Ashré, il est vrai qu'il y a toutes les lettres de l'alphabet qui glorifient Dieu. Mais en plus, parce qu'à ce nom-là, et que nous demandons, et nous conscientisons que la parnassa ne vient pas par notre effort ou nos diplômes, mais par la grâce d'Akadosh Baruch Hu. Aussi grand que je peux être dans les études et dans mon poste, je sais que tout vient d'Hachem Yitbarach. Et je me le rappelle trois fois par jour. Si tu arrives à conscientiser que ta parnassa vient de là-haut, à ce moment-là, Muftahlo Shebena Olamaba, celui qui pense que c'est lui qui rapporte, il ne comprend rien à la vie. Donc ça, c'est un des Shem Kadosh, oui. Excuse-moi, on n'est pas à la fin du cours, mais quand on se l'imagine, est-ce qu'on est obligé d'imaginer les deux petits trucs là-haut, là ? Non, ça, c'est pour... Ou juste non, ça, c'est pour dire que c'est Rachet et Vot. Juste les trois lettres. Voilà. Ça, c'est pour dire que c'est une abréviation. C'est le signe pour dire que c'est une abréviation. Comme la pluie. Touk, touk, à l'envers. Et donc, Poteah et Yadecha, quand on dit cette phrase-là, c'est là où il faut penser cette lettre, ce nom-là de Dieu. Et il aide pour la